il y a des gens qui vous fascinent, que vous rêvez de rencontrer. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à se dire qu'un tel, au vu de sa médiatisation, est totalement inaccessible. Pourtant, c'est super important de pouvoir s'approcher des bonnes personnes. Au-delà de rencontrer ceux que vous admirez, vous avez aussi besoin de rencontrer des personnes influentes ou alors avec un savoir-faire spécifique pour mener à bien vos projets. Et si je vous disais qu'après cette vidéo, vous pourrez rencontrer vos idoles, avec qui vous avez envie de monter des projets, ou simplement avoir juste une discussion, et qu'il vous suffit juste d'une méthode simple et d'un peu d'audace, est-ce que vous montez dans le bus avec moi ? L'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle que j'ai vécue il y a un peu plus de 3 ans. On est en 2017, et à la même époque, nous sommes en pleine campagne électorale. Que vous aimiez la politique ou non, ou que vous soutiez un candidat en particulier ou pas, vous n'avez pas pu passer à côté de ce buzz. Tel Obi-Wan Kenobi, Mélenchon a parlé à des centaines et des milliers de personnes par hologramme à Paris. Ce jour-là, j'y étais, mais pas n'importe où. J'étais sur l'estrade, tout en haut des gradins, réservé aux journalistes et au staff, à côté de BFM TV, d'ITélé, etc. Eux étaient avec des caméras qui faisaient 3 fois ma taille, habillés en costume, tandis que moi je me baladais en sweat à capuche avec ma petite caméra. Vous avez vu, j'ai fait des efforts depuis. Si j'étais là, c'est parce que quelques mois avant, j'ai mis en place une stratégie pour avoir la possibilité d'être aux premières loges de certains événements de campagne. Revenons en septembre 2016. La campagne présidentielle se préparait doucement et Jean-Luc Mélenchon était candidat depuis déjà 6 mois. J'avais à l'époque très envie de le rencontrer. Un peu au hasard, après avoir lu un tract, j'ai voté pour lui en 2012, une semaine après mes 18 ans. Et puis, par la suite, je me suis dit que j'allais quand même m'intéresser à la personne pour qui j'avais voté. Oui bon, je sais, en général, les gens font l'inverse. La façon dont j'ai essayé de comprendre le personnage, c'est en suivant sa chaîne YouTube et son blog. Et donc, le Mélenchon que j'ai connu, moi, ce n'est pas celui qui a l'air toujours d'être en colère, toujours énervé, qu'on a l'habitude de voir sur les différents médias. Mais c'est plutôt celui du politique au sens noble du terme, qui réfléchit à la société de demain, qui théorise, qui pense, qui développe une pensée structurée et surtout qui est un pédagogue et un orateur hors pair et qui réussit à vous expliquer des concepts très compliqués avec des mots simples que tout le monde peut comprendre. Moi, c'est cette personne que je voulais rencontrer. Mais bon, avant de continuer, ce que je nous invite à faire ensemble à partir de maintenant, c'est de laisser à la porte toutes nos considérations partisanes. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler politique, mais plutôt pour apprendre une méthode qui vous permet d'approcher les personnes que vous souhaitez. Au départ, cherchez simplement une façon de m'impliquer dans la campagne. Mais à part faire un peu de vidéo, je savais pas trop quoi faire. Faire des réunions de quartier n'était pas spécialement ce que je préférais et je me sentais pas vraiment très utile à coller des affiches, pour être honnête. Quand vous arrivez dans une réunion politique pour la première fois, vous comprenez à peu près 1/5 des discussions et si vous n'avez aucune expérience comme moi, alors vous êtes complètement largué sur les bonnes choses et les bonnes pratiques à faire. Mais par contre, il y a une chose que j'ai très vite comprise. Je n'étais pas au bon endroit. L'ensemble des actions se déroulait à Paris, au siège, dont je n'avais ni l'adresse ni aucune idée du quartier où il se trouvait. Et puis même, je ne pouvais pas débarquer comme ça. Il me fallait une stratégie. Comment entrer en contact avec les gens de là-bas, les gens d'en haut, en quelque sorte. En suivant l'actualité, j'apprends au détour d'un média que l'émission On n'est pas couché allait inviter justement Jean-Luc Mélenchon à sa prochaine émission. Voilà ma fenêtre de tir pour pouvoir le rencontrer. Assister à une émission de télévision, c'est gratuit. Et il suffit de s'inscrire sur le site de la production pour obtenir sa place. Ni une ni deux, je réserve ma place et je prends même un bus aller-retour Lyon-Paris. Viens après le jour J. J'avais hâte. L'émission avait lieu un jeudi soir. J'attends la gare, le bus arrive et au moment de monter dedans, le contrôleur me demande mon ticket. Je cherche dans mon téléphone et pile à ce moment-là, je reçois un email. Merci à l'intérêt que vous portez à notre émission, malheureusement il n'y a plus de place. Mais vous pouvez venir la semaine suivante si vous voulez. Imaginez un peu ma tête. Je m'assois dans le bus et commence un long voyage de 6 heures où je me demande bien ce que je vais aller faire à Paris maintenant que mon plan tombe à l'eau. Mais je n'avais pas dit mon dernier mot. Quand on me refuse quelque part, j'ai la fâcheuse tendance à y aller quand même. On verra bien. J'arrive donc à 17h au studio Gabriel, en plein centre de Paris. J'étais presque parmi les premiers à cette heure-là. L'émission commençait à 19h.
18h20, il commence à faire rentrer les gens. Et derrière moi, une file d'attente énorme s'est formée. J'arrive au guichet, je donne mon nom, et évidemment, j'ai le droit à un joli, mais prévisible « Désolé, vous n'êtes pas sur la liste, monsieur. » J'explique alors la situation, je leur explique aussi mon périple. Ils me disent « Bon, attendez, on va attendre que tout le monde rentre, et puis on verra s'il reste une place. » J'ai attendu, littéralement, une heure, à voir tout le monde passer devant moi, pour qu'à la toute fin, ils me disent « Il n'y a vraiment plus de place, désolé. » Donc je commence à partir, totalement dépité. Quand tout d'un coup, j'entends quelqu'un crier mon nom, derrière moi. L'une des personnes du staff m'avait rattrapé et me dit « Monsieur, vous avez tellement attendu, on va bien réussir à vous trouver une place. » Incroyable mais vrai. Grâce à cette personne, j'arrive à rentrer dans l'émission. Je me retrouve sur les gradins de l'émission. Littéralement au bord du premier rang, à la limite de tomber par terre. Mais bon, c'est pas très grave parce que j'y étais. L'émission démarre, Mélenchon arrive sur le plateau et ça y est, le spectacle commence. Le truc c'est que ce jour-là, j'ai vraiment compris pourquoi l'émission s'appelait « On n'est pas couché ». On a commencé l'enregistrement de l'émission environ 19h30 et elle s'est finie à 3h30 du matin avec une toute petite pause de 5 minutes. L'émission totale montée dure environ 2h40 et les invités qui ont parlé et débattu pendant parfois une demi-heure se retrouvent à apparaître 2 minutes à peine dans l'émission finale. Je vous laisse imaginer la galère au montage. Mais bon, j'y suis, la fin de l'émission arrive. Et tout le monde n'a qu'une envie, évidemment, à 3h du matin, c'est de rentrer chez lui. Sauf une personne, évidemment, moi. Et j'ai mon plan en tête. Une fois l'émission terminée, je vois évidemment plusieurs personnes s'approcher directement de Jean-Luc Mélenchon pour lui parler. Mais je savais très bien que si je faisais ça, je n'avais aucune chance de créer une relation avec lui, si je voulais le voir comme ça, après 6 heures d'émission. J'ai plutôt utilisé une stratégie que j'aime appeler le troisième nom dans le générique. La meilleure façon de rentrer en contact avec un réalisateur ou un acteur connu, c'est d'aller contacter quelqu'un qui a moins de popularité que celui que vous visez. Autrement dit, quelqu'un au pif dans le générique de fin d'une série ou d'un film. Il se trouve que dans les émissions politiques, vous avez souvent les soutiens du candidat derrière lui dans les gradins. Et dans cette émission, il y avait notamment elle, Danielle Simonet, élue à la mairie de Paris. C'est une proche de Mélenchon, beaucoup moins médiatisée à l'échelle nationale, mais avec une sacrée force de caractère et avec une énergie qui est fascinante. Elle est présente sur tous les fronts, très engagée sur pas mal de causes. Au lieu d'aller discuter avec Jean-Luc Mélenchon, je vais la voir elle, en lui pitchant précisément ce que je voulais faire. J'avais envie de réaliser des vidéos pour la campagne qui permettraient d'engager davantage les jeunes à voter et expliquer des points précis du programme. Sauf que j'y connaissais rien en politique. Je ne savais ni à qui m'adresser, ni ce que je devais faire. Et je lui dis que j'étais sur Paris pendant encore quelques jours, et du coup je lui demande si c'est possible de se prendre un café. À ce moment-là, la campagne est loin d'être très mouvementée encore. J'aurais tenté la même chose en février 2017, ça aurait été beaucoup beaucoup plus compliqué. Mais finalement, j'obtiens mon rendez-vous, et on a le temps de bien discuter. Elle finit même par me mettre en contact avec le siège du mouvement, et il m'obtient précisément rendez-vous avec la personne en charge des tournages et des montages vidéo. Voilà qui est fait. J'étais entré dans le réseau et j'ai commencé à produire quelques vidéos pour la campagne. Un mois plus tard, on me propose de venir filmer un meeting à Chambéry et je me retrouve littéralement à 1 mètre ou 2 mètres de Jean-Luc Mélenchon derrière la caméra sur scène. Et lors du pot de fin de meeting, je réussis mon objectif et je discute avec Mélenchon quelques instants. Voilà une stratégie que j'utilise encore et encore pour rencontrer des influenceurs ou des personnes qui m'intéressent. La question à se poser, c'est qui couche avec qui et qui est pote avec qui. À partir de ce moment-là, vous avez la base de votre stratégie. Vous savez qui est en réseau, qui se connaît, qui a confiance en qui. Après, il vous suffit de trouver une façon de vous insérer dans ce réseau. Non pas en contactant la personne sous le feu des projecteurs, mais en contactant quelqu'un qui a justement moins l'habitude d'être sollicité. Mais attention, je vous mets en garde, il y a un piège dont vous feriez bien de vous méfier. Déjà, les gens n'ont pas que ça à faire. Si vous n'avez rien à leur apporter, alors vous n'avez pas à les déranger. Il n'y a rien de plus énervant qu'être sollicité par quelqu'un qui n'a rien à nous apporter ou rien à nous dire d'intéressant quand on a mieux à faire. Réfléchissez plutôt à comment est-ce que vous pouvez apporter sincèrement de la valeur, comment vous pouvez aider une personne pour avancer dans sa cause ou dans ses projets. Et ça, vous pouvez le faire grâce à vos compétences, en vous intéressant réellement à la personne que vous cherchez à contacter. Ce qui m'amène au second point très important. Cette stratégie du nom dans le générique, elle marche pour atteindre quelqu'un d'influent.
mais elle marche à la perfection si vous êtes sincère dans votre démarche et que vous intéressez vraiment la personne par laquelle vous rentrez dans le réseau. Ici, par exemple, Daniel Simonet, c'est quelqu'un que j'ai pas mal suivi à une époque. Quelqu'un que j'apprécie et qui, à mon sens, a de belles valeurs. C'était quelqu'un que j'avais aussi envie de rencontrer. Mais si vous utilisez la personne juste comme une porte d'entrée, vous allez juste passer pour un profiteur et vous faire très rapidement griller. Les gens ne sont pas bêtes et ils sentent ces choses-là. Comme tout ce que je vous donne sur cette chaîne, ce sont des outils. Savoir vendre un projet, savoir convaincre, développer un bon marketing, tout ça, c'est des outils au service d'un bon produit ou d'une cause juste. Et mettre du caca dans une crêpe n'en fait pas du Nutella. Je compte sur vous pour utiliser cette méthode à bon escient. Gardez bien en tête que tout se mérite. Et que si vous voulez rencontrer quelqu'un d'important, alors travaillez dur, soyez rigoureux et soyez sincère et direct dans cette démarche. Pour faire ça, vous avez besoin de bien comprendre ce que vit la personne en face de vous. Quelles sont ses problématiques et ses points de douleur pour pouvoir réfléchir à une solution qui va l'aider. Pour vous apprendre à faire ça, quoi de mieux qu'un super cas d'école ?